Dev, lead dev, devops architect, engineering manager, ça c'est mon évolution chez Eloasso depuis 2014. Salut, moi c'est Eddy, je suis engineering manager chez Eloasso et mon but c'est de faire en sorte que mon équipe se sente bien, qu'elle ait toutes les conditions idéales pour travailler et surtout aider chacun à s'épanouir pour donner le meilleur de soi-même. Concrètement, ça passe par des réunions hebdo et des entretiens trimestriels où on co-construit les objectifs. En 2023, j'ai trois priorités. Tout d'abord, recruter. Ensuite, scaler toujours plus notre infrastructure et enfin améliorer notre sécurité. En sidetrack, euh, j'essaye de faire rayonner la tech et l'OSO à l'extérieur, que ce soit en animant notre blog, en participant à des événements et parfois en tant que speaker, et aussi en animant les afterworks en interne. Je fais partie du pôle tech et produits. Chez nous, on a choisi de ne pas dissocier la tech et le produit, parce qu'on est convaincu que pour bâtir des solutions durables, il faut avant tout ajouter de la valeur à nos utilisateurs. Concrètement, on est organisé selon les bonnes pratiques de Spotify, c'est-à-dire qu'on travaille en squad pluridisciplinaire, composé souvent d'un product owner, d'un lead tech, de dev front ou back selon les besoins, et aussi de QA et de support tech. Ensuite, chaque squad est organisé en Scrum ou en Camban selon les affinités. Parlons technologie. Pour faire simple, notre front est en Vue.js Nuxt, les API et le back sont plutôt en C, -sharp, et on a également une très grosse couche de code en Python. Euh, au niveau infrastructure, on a fait le pari du cloud il y a très longtemps, on est chez Azure depuis 2015. Et on utilise toutes les bonnes pratiques à l'état de l'art, dont je n'ai pas envie de citer les buzzwords. Euh, notre plateforme connaît une croissance euh, assez impressionnante. Aujourd'hui, on a l'équivalent d'un paiement toutes les deux secondes et on collecte euh, environ 50 millions d'euros euh, par mois. Euh, donc on se doit de bâtir des solutions durables et de qualité et on s'en assure en faisant du pair programming et des pull requests. Ce qui me fait me lever le matin, c'est de savoir que j'œuvre pour un produit qui a du sens tout en utilisant ma passion. Parce que même si je suis manager, je suis avant tout un tech. Alors si comme moi, tu veux utiliser ta passion pour faire avancer les choses, lance-toi et viens discuter.